Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre qui s'intitule « Illusion assassinée », écrit par Marie-Laure Touri, une Ivoirienne. C'est tout de suite après le jingle. À cette annonce, une pointe de regret se ficha dans mon cœur. Mais je n'avais pas le droit de lui en faire part. J'avais pris ma décision il y avait longtemps déjà. Je ne pouvais pas y revenir. Me consacrer à mon école était l'ultime but des années à venir et je ne voulais me donner qu'à cela. Il serait bien temps d'envisager autre chose, plus tard bien sûr. C'est l'histoire de Dagobert, un jeune homme qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, qui étudiait les sciences économiques. Donc à la fac, c'était difficile pour lui, comme beaucoup de jeunes qu'on connaît. Il s'est débrouillé, il a travaillé dur, il s'est donné corps et âme jusqu'à ce qu'il décroche un emploi et que la vie commence à lui sourire. Au lieu de se comporter de façon responsable, d'économiser, de trouver une femme, enfin le parcours classique, non. Monsieur Dagobert court de femme en femme. Il court les jupons jusqu'à ce qu'un jour, il croise le chemin d'une Européenne avec qui il va se mettre en ménage. Malheureusement, ça ne va pas s'améliorer pour lui. Il va devenir violent, ça va être des clashs, ça va être des bagarres à longueur de journée. Et c'est son histoire que l'auteur déroule dans ce livre. C'est plein de rebondissements. Vous allez découvrir plusieurs facettes de cet homme-là et on se rend compte à quel point une vie n'est pas linéaire. On peut rencontrer de nombreuses choses dans la vie. Si on ne sait pas se servir de l'expérience qu'on vit pour rebondir, eh bien, on peut plonger dans le chaos. Donc, je vous invite à découvrir l'histoire de Dagobert. Je ne vais pas vous en dire plus. Achetez le livre, découvrez cette histoire. Je vous la recommande pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, vous n'allez vous ennuyer. Marie-Laure Touri a fait un merveilleux travail. Je la félicite pour ça. Achetez le livre, découvrez-le et laissez-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.